Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter une machine qui, pour moi, roule sur la concurrence. Une machine que je rôde depuis que je l'ai en ma possession. Une machine qui m'a fait découvrir des titres qui m'étaient totalement inconnus, car je n'avais tout simplement pas le matériel pour y jouer sérieusement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Egret Mini 2. A la base, la Taito Egret II est une bande sortie en 1996 au Japon. Elle fait 1,45 m de haut, 930 cm de profondeur et 750 cm de large. C'est une borne avec un écran 15-24 kHz. L'écran est en Toshiba avec une platine Nanao MS9. Elle est câblée en JAMMA classique. Elle a tout un tas d'options qui en font une machine de référence. De ce que j'ai compris, son gros point fort, c'est la possibilité de tourner facilement son écran pour jouer en tâté. L'Egret II n'a pas été produite à beaucoup d'exemplaires. Du coup, il est difficile de s'en procurer une ou de trouver les pièces nécessaires à sa réparation. Comme les mini-mornes sont à la mode, Taito balança sur le marché une bombe, la Taito Egret II Mini. Ses défauts, son prix élevé, son topper qui se casse constamment la gueule, et le fait qu'elle n'ait pas de batterie interne. Pour le reste, c'est un véritable festival. Déjà, c'est la seule mini-borne qui a un écran avec un ratio correct. Depuis sa mise à jour, l'image occupe parfaitement l'écran. On est loin de cette bouse d'Astro City Mini. En plus des options classiques que les autres machines vous proposent, l'Egret II Mini offre tout un tas d'options qui lui sont propres. Rotation de l'écran pour jouer en tâté. Possibilité de bloquer le stick en 4 directions pour les jeux très anciens. Possibilité de brancher un panel pour jouer avec un trackball ou un spinner. Certaines personnes soulignaient le fait qu'elle avait de l'input lag. Si vous avez saigné les jeux proposés sur la machine, vous allez légèrement le ressentir. Si vous n'avez jamais touché à l'un de ces jeux, vous n'allez pas vous en rendre compte. Par exemple, je connais bien Elevator Action Retourne, je sens qu'il y a un très léger input lag qui, personnellement, ne me dérange pas du tout. Pour les autres jeux, je ne le ressens pas, parce que je ne les ai pas joués sur le support original. Pour moi, cette histoire d'input lag est assez anecdotique si vous n'êtes pas un méga giga hardcore gamer qui cherche le scoring. Il faut surtout faire attention à brancher la machine avec un bloc d'alimentation qui correspond au voltage demandé, sinon vous aurez des gros soucis in-game. L'autre truc intéressant avec cette borne, c'est qu'il y a beaucoup de jeux Taito que je ne connaissais pas. Sur l'Astro City Mini, j'avais du mal à me mettre sérieusement dessus à cause de son écran dégueulasse et de son son pas terrible. Ici, je me suis étonné à jouer longtemps à des titres comme Space Invader. Le fait d'avoir l'écran entâté et de bloquer les diagonales sur le stick change complètement la donne. Le stick arcade supplémentaire n'est pas d'une qualité sanois, mais il fait le job. Personnellement, j'adore la manette, je la trouve très belle avec une bonne prise en main. Le spinner et le trackball manquaient de précision au moment de sa sortie. J'arrivais parfaitement à jouer à Pushkarat ou Camel Tree avec le spinner, alors que je galérais sur les Arcanoïdes. Je trouvais les jeux au trackball injouables. Avec la mise à jour fraîchement sortie, la machine est parfaite. Le spinner et le trackball sont parfaitement jouables. L'image a un ratio parfait. Ils ont corrigé les petits bugs ou défauts présents dans certains titres. Ils ont aussi corrigé un défaut présent dans le menu au niveau des filtres. Bref, ils ont fait un travail exemplaire et ont répondu aux attentes des joueurs. Sur un écran plat, c'est très propre. Notez qu'il manque l'option pour simuler des scanlines. Personnellement, je trouve que l'intérêt de ces bornes, ce n'est pas de les brancher sur un écran, mais de jouer tel quel. Cependant, j'avoue que de jouer à deux sur un écran avec des jeux comme Pushkarat et deux spinners, c'est un pur plaisir. Une nouvelle compilation de jeux va sortir prochainement dessus. Elle se nomme Arcade Taito Memories Volume 1. Elle va proposer du lot. Great Swordman, Golden Castle, Slap Fight, Twin Hook, Pouli Roula, Grid Seeker, Riding Fight, Lightbringer, Jekirindan et Cleopatra Fortune. Inutile de vous dire que je vais me jeter dessus comme un mort de faim. Le gros souci avec cette compilation, c'est que pour des problèmes de droit, elle ne va peut-être pas sortir en Europe. Si vous voulez vous la procurer, je vous conseille de la prendre chez Trader Games à Paris. Je ne sais pas si la boutique a encore des Egret Mini en stock, mais je sais qu'ils auront la compilation à vendre. Alors que dire de plus, la Taito Egret Mini 2 écrase toutes les mini-bornes sorties officiellement à ce jour. Pour moi, aucune machine ne rivalise avec. Elle roule littéralement sur la concurrence. J'espère qu'un hack sortira pour exploiter pleinement ses caractéristiques techniques. Je vous laisse dans la description le lien vers la mise à jour et les liens vers la boutique de trader s'il y en a. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.